Eh bien, salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et oui, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo très spéciale, comme vous pouvez le remarquer. J'ai donc de très nombreux projets à mettre en place pour cette année 2019. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à accomplir, et le facecam était l'une de ces choses. Bon après voilà, c'est ma toute première vidéo en facecam, donc j'espère que vous serez indulgents. C'est quand même assez difficile de se retrouver en facecam quand t'as pas l'habitude, tout simplement. Mais voilà, ça fait longtemps que je me disais qu'il était nécessaire que je fasse de la facecam, tout simplement parce que beaucoup d'entre vous me le demandaient, et aussi parce que c'était nécessaire pour certaines vidéos, mais avant tout pour un grand projet que je souhaite mettre en place depuis très longtemps et que je vais donc vous présenter dans cette vidéo. Après voilà, pour certains d'entre vous, c'est pas une surprise la facecam, parce que encore une fois, ceux qui me suivent sur Instagram ont l'habitude de voir en story, mais sinon ça reste quand même une grosse nouveauté sur ma chaîne. Donc voilà le grand projet de cette année 2019 et que je souhaitais mettre en place déjà en 2018, c'est donc le streaming, les lives. Et donc ça fait très longtemps que je pense à mettre ça en place, et aussi pour la raison qui est tout simplement que je souhaite renouer avec une de mes grandes passions, on va dire, qui était avant ma grande passion à la place de celle de la moto aujourd'hui, qui est le gaming. Alors oui, vous connaissez Miss Abby la motarde, mais vous connaissez pas Abby la gameuse, parce que voilà, avant de consacrer ma vie à la moto, j'étais vraiment une gameuse acharnée. J'ai plus de 10 ans de gaming derrière moi, j'étais classée mondiale dans certains jeux, je faisais des championnats de France de certains jeux, mais après petit à petit j'ai délaissé le gaming et j'ai vraiment décidé de vivre ma passion de la moto, et c'est très bien comme ça. Donc voilà, ma chaîne va rester une chaîne de moto avec des nouvelles vidéos, des nouveaux projets vidéo, avec des nouvelles vidéos en facecam, voilà, plein de projets pour cette année 2019. Donc ça restera de la moto sur ma chaîne, et je vais donc renouer avec ma vie de gameuse en live. Donc c'est la grande nouveauté de cette année, c'est que je vais lancer à partir de ce week-end les streamings, les lives, pour faire du gaming en live. Donc après, attention, il n'y aura pas que des lives de gaming, il y aura des lives où on pourra te poser, vous et moi, il pourrait y avoir des lives où on va regarder des vidéos, regarder des chaînes, regarder des choses ensemble, pas tout le temps que 100% gaming. Mais la base, le pourquoi je lance le live à la base, c'est quand même pour renouer avec le gaming. Parce que, on va dire, je continue de jouer, mais je joue un peu dans mon coin, comme ça, vite fait, entre deux montages vidéo. Et franchement, jouer seul comme ça, je me fais chier. Parce que, en fait, dans mon passé de gameuse, je jouais tous les soirs avec une bande de potes. On était une team. Donc voilà, j'ai tout simplement envie de partager cette passion du gaming avec vous en live. Parce que c'est ce qui me manque, j'ai besoin de ça, de l'interaction en direct avec vous. Donc j'ai vraiment hâte de lancer le premier live officiel, même si c'est pas le premier de ma chaîne, mais ça sera le premier de cette année et le premier de ce nouveau projet. Donc le jour, l'heure du live, je peux pas vraiment encore vous la donner, je ne sais pas exactement quand je vais le lancer. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est surtout de vous abonner si c'est pas déjà fait, d'activer la cloche, comme ça le premier live sera lancé sur YouTube. Alors dans on va dire l'avenir de mes lives, j'ai pas encore décidé si j'allais être sur YouTube, sur Twitch, les deux. On va dire pour commencer, je serai sur YouTube. Donc voilà, vous avez juste à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant, avoir la notif quand mon live sera lancé, et surtout de venir me suivre sur Instagram, parce que c'est en story forcément que j'annoncerai quand je vais démarrer un live, et que vous pourrez donc m'y rejoindre. Voilà, c'est la nouveauté de cette année, et j'ai vraiment hâte qu'on partage ça tous ensemble. On va passer de super bons moments. Le direct, ce n'est pas pareil que les vidéos. C'est là je suis en train de parler seule à une caméra. Après, certes, je vous réponds aux commentaires, on interagit en commentaire ensemble, mais c'est pas pareil que le direct. Que c'est ce que j'ai souhaité mettre en place pour cette année, et j'espère que ça vous plaît, que vous allez kiffer autant que moi quand on sera en live.
Vous pouvez voir derrière moi, j'ai accumulé depuis 10 ans une sacrée collection de figurines, de choses, et j'ai pu enfin, on va dire, les mettre à profit, qu'elles servent à quelque chose, puisqu'elles sont maintenant bien exposées, elles servent de décor pour mes lives et puis pour les vidéos facecam, donc c'est cool. Donc voilà, tout ce qu'il y a à retenir de tout ça, c'est que ma chaîne, ça changera rien à ma chaîne en elle-même. Ma chaîne restera des vidéos de moto, il y aura des nouvelles vidéos, des nouveaux projets, il y aura des vidéos facecam. Donc bon, ça change quand même quelque chose, mais je veux dire, le gaming ne va pas s'introduire dans ma chaîne au milieu de la moto. Ma chaîne restera la moto et le gaming, ça sera du live. Donc j'ai hâte de mettre en place tous ces projets de 2019. Hâte de vous sortir les prochaines vidéos parce que maintenant avec le facecam il y a des vidéos qui étaient en attente que je vais pouvoir vous faire très vite. J'ai très hâte de commencer ce premier live avec vous. Donc voilà, j'espère que ces nouveautés vous plaisent. J'espère que vous allez être contents qu'on passe du temps ensemble en live, que vous allez être là présent en live, qu'on va vraiment bien se marrer, qu'on va passer des bons moments. Moi c'est ce que j'attends avec impatience. Donc j'ai hâte de vous retrouver en live, et comme je vous l'ai dit, surtout n'oubliez pas d'activer la cloche et de me suivre sur Instagram, de vraiment bien me suivre sur les réseaux pour savoir quand je lance le premier live ce week-end. Je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo, mais surtout aussi je vous retrouverai en live avant. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.